La bibliothèque Python de Selenium est considérée comme l'un des puissants outils utilisables pour l'automatisation des navigateurs web. Elle permet aux développeurs et testeurs d'interagir avec des pages web de manière programmée en simulant les actions d'un utilisateur réel, comme cliquer sur des boutons, remplir des formulaires, naviguer entre les pages et bien plus encore. Nous allons voir aujourd'hui comment utiliser cette bibliothèque pour créer un bot. Un bot, c'est-à-dire un robot spammer, qui crée des comptes utilisateurs sur un site web et se connecte et poste des commentaires en bas des articles. Alors, avant de poursuivre, il faut noter que ces robots sont souvent utilisés par des spammers à des fins malveillantes. Mais notre objectif ici est totalement différent. Notre intention est purement éducative. Notre intention est de dévoiler les failles de sécurité et les vulnérabilités potentielles des sites web afin d'aider les créateurs et administrateurs à mieux protéger leur plateforme. En comprenant comment ces automatisations fonctionnent, vous serez mieux préparé à mettre en place des mesures de sécurité robustes, telles que l'utilisation de CAPTCHA, la limitation du nombre de tentatives de connexion, détecter et bloquer les activités suspectes, etc. Alors, sans trop parler, nous allons voir tout de suite comment peut-on utiliser cette bibliothèque pour créer un bot. Alors, afin de pouvoir utiliser la bibliothèque Selenium, il faut au préalable l'installer à l'aide de l'utilitaire pip. Donc, nous allons lancer l'invite de commande et taper pip install Selenium. Bon, je l'ai déjà installé. Donc, ça m'affiche ici Requirements already satisfied. Donc, je l'ai déjà installé. Vous devez donc l'installer avec la commande pip install Selenium. Alors, maintenant, afin de pouvoir tester le bot que nous allons créer, il faut qu'on lui prépare un site web en localhost. Moi, j'ai déjà créé un site WordPress sur un serveur local XAMPP. Vous aussi, vous devez en créer un sur votre machine. Si vous ne savez pas comment faire, je vous ai déjà mis le tutoriel en ligne. Vous trouverez son lien en bas sur la description de la vidéo. Alors maintenant, après avoir installé un site WordPress en local, on doit lui ajouter une extension permettant l'enregistrement des utilisateurs. Je vous propose l'extension ThemeMyLogin. Alors rendez-vous dans votre site et tapez à la fin de l'adresse URL wp-admin pour accéder à la zone admin. Et vous allez vous connecter avec vos identifiants admin ou bien votre identifiant admin. Étant arrivé au tableau de bord ici, on pointe sur extension, ajouter, ajouter une extension. On doit rechercher donc l'extension ThemeMyLogin, donc il suffit de taper login. Nous allons rechercher l'extension. La voici, ThemeMyLogin, installée maintenant. Alors maintenant, l'extension est installée. Je clique sur Activer pour activer l'extension. Et nous devons effectuer un petit réglage. Voici l'extension ThemeMyLogin. Je clique sur Réglage. Et je dois donc cocher ces deux-là. Mot de passe, autoriser les utilisateurs à choisir leur propre mot de passe, connecter automatiquement les utilisateurs après inscription. Lorsque l'utilisateur crée un compte, il se connecte automatiquement. Et donc laisser tout ça par défaut, dashboard, login, donc c'est la page pour se loger, logout pour se déconnecter, register, c'est-à-dire l'adresse URL slash register pour l'enregistrement, et d'ailleurs c'est cette adresse URL qu'on va utiliser, enregistrer les modifications. Donc veillez à ce que ces deux-là soient cochés. Enregistrer les modifications.
Nous devons ensuite afficher le formulaire de connexion login sur la barre latérale, c'est-à-dire la sidebar. Alors, je pointe sur Apparence, Widget. Et je cherche maintenant ici le composant Thème MyLogin. Le voici. Donc, je clique ici et je sélectionne l'emplacement. Où vais-je afficher le formulaire de connexion MyLogin? Donc, je sélectionne Sidebar Widget Area. Ajouter le widget. Voici donc le widget qui s'ajoute. Et je dois cocher ici afficher les liens d'action, c'est-à-dire le lien s'inscrire. Je clique sur enregistrer, terminer. Et je peux déplacer le composant vers le haut. Et je vais voir maintenant la page d'accueil. Voilà, voici donc le composant MyLogin. Donc, il affiche l'administrateur parce que je suis connecté en tant qu'admin. Je peux cliquer sur se déconnecter. Et ça m'affiche maintenant le formulaire de connexion. Vous voyez? Et ça m'affiche aussi le lien inscription. Et mot de passe oublié. Quand on oublie le mot de passe, il nous renvoie vers la page de réinitialisation du mot de passe. Alors maintenant, avant de créer le bot qui remplit le formulaire d'inscription et clique sur le bouton Submit, il faut au préalable connaître les composants du formulaire d'inscription, c'est-à-dire les noms des champs qui le composent. Le nom du champ username, le nom du champ email, le nom du champ password 1, password 2 et le bouton submit. Donc je clique sur inscription pour identifier les composants du formulaire d'inscription. Alors voici le formulaire d'inscription, identifiant, email, mot de passe, confirmer le mot de passe et le bouton submit ou bien inscription. Mais ici je ne connais pas le nom de ce champ-là, ni même celui-là. Alors comment vais-je faire? Je vais sélectionner tout ça et faire bouton droit, code source de la sélection. Alors regardez bien le code source. Il y a donc le champ username, input, c'est un champ du type input, name égale user login. Donc le nom du champ username, c'est user login. Le nom du champ email, c'est user email. Le nom du champ password, c'est user password 1, ça c'est pour le champ password, et pour la confirmation du password, c'est name égale user password 2. Et ensuite, il y a le bouton submit. Le bouton submit, le voici, button name égale submit. Type égale, bien le type c'est submit. Donc le nom du bouton c'est submit. Donc, on va créer donc le bot. Le bot sera codé en Python. Il va manipuler ces champs-là à l'aide de la bibliothèque Selenium. C'est la bibliothèque Selenium qui détecte les noms de ces champs-là, qui va les extraire, etc. Et nous allons manipuler ces champs-là, remplir automatiquement ce formulaire et cliquer automatiquement sur le bouton Submit. C'est le bot qui va créer tout ça. Alors maintenant, avant de coder notre bot, nous devons télécharger le WebDriver pour Firefox ou bien pour Chrome. Le WebDriver donc, a pour rôle d'assurer la communication entre la bibliothèque Selenium et le navigateur web. Alors pour télécharger le WebDriver de Firefox ou bien de Chrome, donc, je vais taper sur Google GeckoDriver Mozilla Release et j'accède directement au site officiel du Gecko Driver sur GitHub. Donc je clique ici sur Release Mozilla Gecko Driver. Je descends un peu en bas et je trouve donc les versions qui existent. Donc moi j'utilise Windows 64 bits. Donc il y en a cette version-là et n'est pas compatible avec mon système d'exploitation. Je clique ici Show All Assets. Donc,
Et je vois pour Windows 64 bits, il y en a cette version-là et celle-ci. Donc, vous voyez qu'il y a deux versions. Alors, la première, Gecko Driver 35 Win AARCH64.zip. Cette version est conçue pour les processeurs ARM64 qui sont principalement utilisés dans certains appareils mobiles et certaines versions de Surface Pro X de Microsoft. Ça ne correspond pas à mon ça ne correspond pas à mon processeur. Tandis que la deuxième, Gecko Driver Win 64-zip, celle-ci correspond à mon processeur. Cette version est destinée aux processeurs 8664 qui sont les plus courants dans les ordinateurs de bureau et portables sous Windows. Donc, je télécharge celle-ci. C'est celle-ci qui correspond à mon système d'exploitation. Si vous utilisez un système d'exploitation 32 bits, vous pouvez télécharger celle-ci. Moi, je télécharge celle-ci. Donc, je vais l'enregistrer sur le bureau. Donc, voici le web driver. Je vais donc extraire l'archive. Donc, ça, je peux le jeter. Je prends celui-là et j'aurai besoin uniquement de ce fichier .exe, geckodriver.exe. Donc, je crée sur le bureau un dossier pour mon projet. Je vais l'appeler par exemple bot. Je prends ce fichier-là. Copier. Je le mets ici. Maintenant, j'aurai pas besoin de ça. Et ensuite, j'ouvre ce dossier avec VS Code. Et je dois donc créer un fichier Python pour rédiger le code de mon bot. Je vais donc créer donc, un nouveau fichier, new file. Je vais l'appeler par exemple mybot.py. Alors, j'aurai besoin d'importer un certain nombre de modules et de classes. Donc, je l'ai déjà donc mis dans un fichier texte. Pour ne pas perdre du temps, je vais expliquer tout ça. Je vais premièrement expliquer ces imports-là. Alors, la première ligne, From Selenium, importe WebDriver. Cette ligne importe le module WebDriver de Selenium. Le WebDriver est une interface qui permet de contrôler un navigateur comme Firefox, Chrome, etc. à travers un script Python, tout simplement. Deuxième ligne, from selenium.webdriver.firefox.service importe service. On importe ici la classe service. Cette ligne importe la classe service depuis le module Firefox.service. Cette classe est utilisée pour gérer le service WebDriver, tout simplement, qui est spécifique à Firefox, c'est-à-dire le processus qui pilote le navigateur Firefox via Selenium. Ensuite, la troisième ligne, from selenium.webdriver.command.by importe la classe by. Vous avez peut-être vu ça en JavaScript, on l'utilise beaucoup. From selenium.webdriver.command.by importe la classe by. Cette ligne importe la classe by qui est utilisée pour localiser des éléments sur une page web, tout simplement. By fournit plusieurs méthodes de sélection comme by.id, by.name, name, by.xpath, by.css, css-selector, etc. pour trouver tout simplement des éléments sur la page. Et ensuite, la quatrième, from selenium.webdriver.support.ui importe webdriver-wait. Cette ligne importe la classe webdriver-wait, qui est utilisé pour attendre qu'une condition spécifique soit remplie avant de continuer l'exécution du script. C'est très utile pour gérer les situations où certains éléments de la page prennent du temps à se charger. Et ensuite, la dernière ligne, from selenium.webdriver.support importe, expected condition as EC, c'est-à-dire sous l'alias
EC. Cette ligne importe le module Expected Condition sous l'alias EC. Ce module contient un ensemble de conditions prédéfinies que vous pouvez utiliser avec WebDriver Wait pour attendre certains états sur la page, comme la présence d'un élément, la visibilité d'un élément sur la page, etc. Voilà. Nous aurons besoin ensuite d'un objet service qu'on peut créer en faisant service qu'on peut créer en faisant une instance ou bien une instanciation sur la classe service. Et en paramètres, on met ici le chemin du Gecko Driver. Le Gecko Driver se trouve sur le même répertoire que le fichier MyBot, donc je vais mettre directement le nom, tout simplement le nom du Gecko Driver. Gecko driver.exe. Voilà. Et cela indique en même temps le chemin, ou bien indique à Selenium le chemin du Gecko Driver, ou bien l'emplacement du Gecko Driver. Le service possède d'autres propriétés que nous allons voir. Ensuite, on va initialiser le WebDriver. Driver égale WebDriver dot Firefox Firefox dot pardon parenthèse. On précise ici le service qu'on vient de créer égale service. Et ensuite, cet objet driver nous permet de récupérer l'adresse URL de la page d'enregistrement des utilisateurs. Donc, la page d'enregistrement des utilisateurs, nous allons donc visiter le site. Donc, je vais me déconnecter parce que je suis connecté. Bien, je me suis connecté en tant qu'admin. Donc, la page d'enregistrement des utilisateurs se trouve sur ce lien-là, inscription. Je clique sur inscription. Voici donc le formulaire d'inscription. Donc, voici l'adresse URL de la page d'enregistrement des utilisateurs. Donc, on va récupérer donc cette adresse URL en utilisant l'objet driver qu'on vient de créer. Driver.get entre parenthèses, je mets les côtes ici et j'insère l'adresse URL d'enregistrement des utilisateurs qu'on va donc contrôler par Selenium. Alors ensuite, on va rechercher et remplir le champ user login, ensuite remplir le champ email, le champ password 1, password 2, et ainsi de suite. Donc, comment trouver les noms de ces champs-là sur la page d'enregistrement des utilisateurs. Je l'ai déjà montré, on sélectionne ici le formulaire d'enregistrement tout entier comme ça, et je fais bouton droit, code source de la page. Et je regarde ici, le premier champ c'est input name égale user login, type égale texte, etc. ID égale user login, donc j'utilise ça. Le nom du champ c'est name égale user login. Donc, son nom, c'est user login. Alors, je commence par créer la variable login qui va être contrôlée par Selenium. Login égale, et j'utilise l'objet driver pour créer la variable login. Driver dot find element entre parenthèses by name pardon, entre parenthèses by dot name virgule et j'utilise ici le nom du champ. Le champ login il est nommé user login. Je mets ici
User login. Tirer login. Et ensuite, je crée un username. C'est la valeur qui va être, ou bien l'username qui va être utilisé par le bot pour faire l'inscription. Username égale. Alors, c'est le bot qui va s'inscrire. Je vais mettre ici, par exemple, I am bot. Donc, le bot va s'inscrire avec l'username ou bien le nom d'utilisateur I am bot. Login bot send-case. Send-case. Je mets ici user name. Ça permet donc d'insérer l'username qu'on vient de créer ici dans le champ login et l'envoyer. Donc, on fait la même chose pour l'email. Email égale driver.findElementByName user email. Donc, si vous voyez le champ email, comment il est nommé, voici. Donc, il est nommé user email. Donc, je crée ici l'email. Email, je vais le nommer par exemple email-value égal. Je vais mettre ici l'email du bot qui va être utilisé par le bot. I am bot aerobasque@gmail.com. Et je mets ici de même login, pardon, c'est pas login, mais c'est email.sendKey. Email.sendKeys, email value. Alors, je fais la même chose pour le password. Donc, il y en a deux passwords. Vous voyez donc la page d'enregistrement des utilisateurs. Donc, il y a le mot de passe et confirmer le mot de passe. Le premier, c'est user pass 1. Le deuxième, c'est user pass 2. Donc, je fais la même chose. Je vais mettre ici password 1. Égal driver.findElementByName user pass 1. Donc, si vous voyez donc la page d'enregistrement et vous faites sélectionner ici les deux mots de passe, vous faites bouton droit code source de la sélection, vous allez trouver le premier nommé user pass 1 et ensuite user pass 2. Vous voyez? Donc, le premier c'est user pass 1, le deuxième c'est user pass 2. User pass 1. Ici, je vais mettre, donc je vais créer donc le password passe 1 égal. Donc je crée un password. Je vais utiliser majuscule, minuscule, caractère spécial pour que le mot de passe soit fort, afin qu'il ne soit pas rejeté. 2024 par exemple. Et ensuite, password 1, dot send case pass 1. Et la même chose pour le deuxième password. Password 2, user password 2, pass 2. Ah, pardon. Qu'est-ce que je fais, moi? Passe-tout. Votre send case. Passe-tout. Et je vais ensuite récupérer le bouton submit.
Je vais donner donc un nom à la variable submit-login. Je vais l'appeler submit-login égale driver dot find element toujours find element entre parenthèses by dot name virgule. Donc je vais mettre ici submit. Et ensuite submit login dot click. Je vais cliquer sur le bouton submit dot click. Alors, pardon, ici c'est password 1, je l'ai oublié. Et ensuite, j'utilise maintenant la classe WebDriver Wait pour attendre quelques secondes jusqu'à ce que le dashboard soit affiché ou bien soit chargé. WebDriver.wait, j'utilise comme paramètre l'objet driver, virgule, et je mets ici le nombre de secondes à atteindre. Je vais utiliser comme temps maximum d'attente 10 secondes avant l'exécution du script. Dot until, c'est-à-dire jusqu'à ce que, dot until, entre parenthèses, maintenant je vais utiliser donc la classe ou bien le module expected condition. Nous l'avons importé sur l'alias EC. Donc j'utilise son nom, c'est EC. Dot title contains. Lorsque le titre, jusqu'à ce que le titre contient le nom dashboard. Dashboard, je dois donc le taper correctement. Voilà. Et ensuite, je ferme le navigateur. Driver.close. Voilà. Alors, espérons qu'on n'a pas fait d'erreur. Donc, je vais visiter la zone admin en premier lieu avant d'exécuter le script pour voir les utilisateurs qui existent. Je me connecte en tant qu'admin et j'accède au tableau de bord, bien dashboard. Et je regarde sur les comptes. Donc, il y a un seul membre inscrit, c'est l'administrateur, admin. Donc, quand j'exécute maintenant ce script, si tout va bien, si je n'ai pas commis d'erreur, donc je vais, ou bien il y a un bot qui va s'inscrire avec le nom d'utilisateur IAMBOT, l'email IAMBOT@gmail.com, le password c'est IAMBOT1 2024. Donc, alors, on va exécuter maintenant ce script. Espérons que ça marche. Voilà donc Firefox qui s'ouvre. Donc, vous voyez, le champ identifiant est rempli. Les autres ne sont pas remplis. Donc, j'ai sûrement commis une erreur. Je vais donc refaire. Je ferme ça. Et je vais donc examiner tout ça. Alors, je vérifie. Donc. Service égale service, user login. Ah, pardon, voici l'erreur. Donc, c'est user email. J'ai mis Yamil. User email. Voilà. Ça, user password 1. 2. Submit. Ah, voici une autre erreur. Submit-login.click. Et non pas si. J'ai inversé ici le I et le L. Voilà. Alors maintenant, j'enregistre et j'exécute. Voici Firefox qui se lance. Alors voilà, maintenant, le bot s'est inscrit avec succès. Je vais voir donc dans la zone admin. Je vais actualiser ici la page. Et voici donc le bot qui vient de s'inscrire.
IAMBOT, son email c'est iambot@gmail.com. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci, au prochain tuto.